Vous connaissez qui monte qui te commence? Et bien, mais nous, l'anti-haïtienne. L'anti-haïtienne qui est le mari Saint-Fleur. Et nous, c'est un petit blanc qui te relève. Paul English, qui te dit que tu as besoin de statut là dans Boston pour reconnaître Martin Luther King. Et puis après ça, nous prenons information dans la gueule dans la communauté. Et la communauté a dit comme ça que ce n'est pas seulement Martin pour nous reconnaître, c'est pour nous reconnaître Coretta Scott King. Tout. Yes. Et avec ça, nous commençons un process, qui délivre ça qui là. Community and all of our allies saying that we will not stand for these racist and xenophobic lies. So it was a great outpouring of the Haitian community, of unions, of different immigrant groups saying not in our name. We're not going to punch down on immigrant communities that already have their back against the wall. We're going to stand united and together. That's what we saw on display here. We're asking every Haitian American to go out and vote, whether you live in Massachusetts, Ohio, Florida, Pennsylvania, North Carolina, wherever you find yourself, so that they can see the strength of the Haitian people. Ceci attaqué yon groupe immigrant, et bien c'est tout immigrant qui est impliqué de ce fait. Yon semble, yon dit que ça c'est une obligation que yon dit pour eux-mêmes, pour tout le monde jouer ensemble avec nous-mêmes, pour que nous capables réaliser une journée de solidarité pour tout Haïtien de par côté, et spécialement Haïtien qui est dans Springfield, Ohio. On behalf of the Muslim community, the Muslim immigrants, the African immigrants, and as a Somali American, we do stand with the Haitian people. We do condemn the racism and bigotry that's coming out of Springfield, Ohio. As the senator said, the Haitians are part of the American culture and the American history. But a lot of people don't know that Haiti, the beautiful country of Haiti, fought for the independence of a lot of African countries, especially my country. We stand with you, we hear you, and we condemn the racism that's coming out of the Springfield, Ohio. Thank you. Comme ouais, 9-24-24, c'est ça qui est. 24 septembre 2024, nous réunis là, dans Boston Common, dans le gros parc ça, pour que nous capables de camper en solidarité avec nos compatriotes qui sont dans Springfield, Ohio. Nous pas capables d'aller visiter eux, même si nous voulons faire ça, semaine dernière là, mais d'après information que nous avons de eux même, nous disons mieux pour nous camper en solidarité avec eux, tout côté que nous sommes, nous capables de supporter eux, parce que eux même tout, ils ont été effrayés parce que il y a une série de messages qui ont traversé à travers tous les côtés qui rendent eux vulnérables de ce fait, ils ont besoin de support. Nous. You see the statue behind you? Back in 2020, I got a call from the Boston Foundation. I got a call from a gentleman named Paul English, who was willing to invest $5 million to build a statue to honor Dr. King in this city. So they asked, Kate Getch asked if I would help with that process, lead the process. And so I was the first executive director of King Boston, which led to the establishment of this statue here. And so when they asked, where are Haitian Americans? In this city, we're right here. We're always here. We're always walking together to make certain that black voices, black intellect, black talent, black intelligence is well respected and incorporated in this city. So je tiens pas à parler de l'autre. I'm not going to mention that man's name. You know what? He doesn't deserve mentioning. But what I want you to understand is who we are. Yes. We are part of black history. Yes. Black history in this country. Yes. Black history in this city. Yes. Okay? And I just finished talking to y'all. I encourage young people because I know you're having a hard time right now. Si moun ki l'école konn yam konn difficile. Moun ki travay avec moun, people who are working with other folks. I know it's difficult right now. So if you're in healthcare, if you're in food services, if you're a bad person, if you're doing the work that everybody don't want to do,
but we need it done. We're here with you. We see you. We see you. And we thank you. We thank you. Because if you all sat down, you no pas capé, tout bagay campé. You want one more? You no pas capé, tout bagay campé. So the day y'all don't stand, everything stands still. And that's the reality of it. Because you are in the service business. You are in the service business. But we will go beyond. We will go beyond the protest. After this protest, we should take this energy and transform it into opportunity to fundraise. So every single organization here can take this energy and then reach out to their constituents, stakeholders, and say, that's the time for beyond the stop. We need to fundraise. We need you to help us. That's also an opportunity to take action. So these are two concrete steps that you can take today as you leave at this particular event, remembering again, this is not normal for us to be here 3 years later on the same day to be talking about defending our humanity. Thank you. Thank you, thank you. From the Haitian Artist Assembly, Jean-Louis Rousset. Revolution, there's no Louisiana Purchase. Half of the country wouldn't be here. One of the, when you go across the bridge that's over the American Legion Highway, and you see the bridge for the Tuskegee Airmen, think about the Haitian Americans that were Tuskegee Airmen that fought in World War II for our freedom, for our freedom, for your freedom, okay? Nobody's giving you a favor. Somebody worked for it, Your job is to pay it forward. Work for it for the next generation. So what are you going to do? You're going to pay it forward. What are you going to do? Pay it forward. What are you going to do? Pay it forward. What are you going to do? Pay it forward. Don't listen to people putting crap in your mouth because it's a distraction. And we do not listen to distractions. Attendez ou bien regardez, il y a une manifestation dans la cour au son côté. Population réunie, pas seulement population haïtienne, mais population en général réunie pour aider la communauté haïtienne à dénoncer et malpropriété comme dit communauté. En ce qui est ensemble avec ça, et un candidat à la présidence du pays, les États-Unis, a déclaré. Sur sa petite communauté, c'est que jeudi, et matin là, matin, nous, la communauté haïtienne, a débarqué en masse pour nous dire non, ça a dit sur nous, c'est pas ça parce que nous, étant que population haïtienne ou bien nation haïtienne, ça nous fait nous-mêmes, nous pas manger chat et nous pas manger chien, ça nous fait dans la communauté, pas nous, nous prêcher l'amour, nous manger bon manger, nous manifester pour nous, écouter, nous aider, non seulement tête nous, mais l'autre pays bataille. Et je dis, on capable, pas seulement la communauté haïtienne qui vient là, qui vient supporter, mais qui est tant d'autres communautés, qui ont dit que assez, suspend 10 ou 10 communautés haïtiennes. C'est dans l'optique ça qui fait mourir dans la cour ce matin. Quand moi tout le monde réunit là comme ça, ça veut dire que nous prenons le travail pour faire nous respecter. Et pour l'histoire, tu es capable de dire nous en quelques mots?
Qui ça a été contribué à pays ça qui fait le rivière côté lié à Jodi? Ici, parce que nous-mêmes, c'est nous-mêmes qui travaillons avec eux, qui marchons avec eux. Et si on ne peut pas comprendre, c'est aller Savannah, Georgia, qui ouais place toute cette ouverture là, qui place toute haïtienne, bateau que haïtienne est monté pour venir. C'est bien Savannah, Georgia, pour capter, pour pas mettre non, tête en bas comme ça encore. Aujourd'hui, pour nous, c'était un gros succès parce que en pile monde est mobilisé pour que nous capables d'envoyer un strong message. Message à Mounsa qui voulait attaquer la dignité nous, à Mounsa qui voulait attaquer la souveraineté nous. Donc je dis à un pile groupe réuni, nous voyons un message là, et nous continuons à mobiliser jusqu'à 5 novembre parce que l'élection a fini. Nous avons encouragé pour nous voter parce que nous avons fait un bagage. Donc ça tag ça tout monde ouais son distraction mais pas vrai il voyait tag ça d'ailleurs esprit parce qu'il pensait tout monde mais ça lui vient saisi ça lui vient ouais lui ouais que monde africain américain ont campé avec nous monde blanc campé avec nous républicain campé avec nous li nan Ohio la bay menti gouverneur républicain en Ohio dit stop non mais non nous c'est menti ça faire raison haïtien vini nan Ohio faut nous connaître ça et parce que Springfield Ohio te mande haïtien immigrant vini pou yo vin travay. Yo gen manufacturing, yo bezwen moun fè travay américain pa fè travay la, so yo di haïtien vini nou gen travay la pou nou. So e sa ki bèl la. Li panse l tap ka divize États-Unis, li te ka divize américain, men l sezi, li sezi sa lwè a parce que tout moun vini ansanm. Est-ce que événement ça son commencement lié ou du moins nous gen plan pou nou fè un bagage de calibre aussi fort que ça que t'es fait Manhattan, New York, yeah, pour accusation sida. Oui, nous avons souhaité que nous tous mangions bien avant, parce que si nous avons rangé, retirer tenter ça sous nous, nous n'avons pas besoin d'aller à l'autre bout comme ça, à ce que Booking Bridge, pour nous, ce que Booking Bridge, 5000 personnes là-dedans, qui fait que c'est bail pour sida, c'était lui-même. Et puis c'était moi-même qui était actionnaire qui fait action ça. Alors, pour nous, nous n'avons pas besoin de tout bagaille ça, pour nous, nous qui ouvert bouche pour dire tenter sous nous, pour faire même boucher pour lui même encore t'as sorti pour lui dénoncer tête. Yesterday they came for the Chinese, they came for the Irish, the Chinese Exclusion Act, with Irish need not apply, and today they are coming for Haitians. We will not allow it, not in our name. We stand united, nous campé uni, comme your pep, and we are going to fight against these lies, and we're going to show them who we are. We do not have to prove our dignity to anyone. We as Haitians, we're here in the Revolutionary War, fighting, helping to fight for America's freedom. It's a statue to Haitians in Savannah, Georgia, for their contributions to this country during the Revolutionary War. Here in Boston, we see it every day. In the healthcare industry, the education industry, Haitians are the backbone of the labor workforce, and we deserve to have our dignity respected. We don't ask for the respect, we demand it. We are here in Boston to stand in unity with our community in Springfield, Ohio. We will always have their back. Ça que nous avons demandé, c'est demandé 5 novembre pour tout le monde à voter. Et spécialement nous Haïtiens pour nous voter et nous réunir encore l'année prochaine parce que nous avons demandé pour faire réforme sur l'immigration lorsque nous avons l'administration qui campait pour demander qu'il y ait résidence permanente pour tout Haïtien qui est TPS, plus de 300 000. Nous avons demandé résidence permanente pour tout Haïtien qui a un parole qui l'a pour 2 ans seulement. Nous avons demandé résidence permanente pour tout Haïtien qui déjà a un asile parce que. Et pour tout immigrant, nous demandons une réforme sur l'immigration à l'époque. Merci un peu. On n'a pas équipé de distraction ça, parce que nous connaissons ça, monsieur a fait. Son distraction pour les gens pas sortir à voter en novembre. Nous avons un travail pour nous faire comme haïtien américain. Nous avons un travail pour nous faire pour nous ouvrir le téléphone nous.
pour nous reler famille nous à zanmi nous qui habitent États-Unis, qui habitent en Floride, qui habitent en Texas, qui habitent en Alabama, qui habitent tout côté, OK, parce que haïtien tout côté dans États-Unis, et pas celle dans Miami, et pas celle dans Floride, et pas celle dans Boston, nous tout côté. On reler famille en zanmi nous yo, on montre messieurs on range là. Qui est haïtien? Qui est nous? Parce que nous pas camper pour moun parler de nous mal, pour yo maltraiter nous, parce que c'est ti moun nou yo y a maltraité demain. Nous pas ka faire ça. On nous camper ensemble, on fait travail nous en novembre, on a voté, nous connaît ça pour nous faire. OK, m'pa li encore mais nous connaît pour nous voter pour vice-président. C'est lui même qui a camper pour nous, c'est lui même qui a porté États-Unis devant, c'est lui même qui veut porter nous tout ensemble pour nous travailler sur important issues. Ça y est, éducation, avec childcare, décaille. Qui j'aime mon cacon mais c'est business yo, small business. Si vous voulez commencer un business, ni gon programme pour ça. Si on fait travail nous ensemble, même content m'te kala jodi. From the state, from the federal government, all the institutions, social, legal, advocates, thank you so much, individuals, thank you for all your support. This is just the beginning. Mass Immigrant Collaborative, thank you. Please, ORI, thank you. The governor also, want to stand with us with the new arrival. The lieutenant governor, thank you so much. Again, the edges. Stand with us as well, Andrea Kimbo, thank you so much. Please register to vote. We have a lot of volunteers from Kuala Lumpur. Please, you are a US citizen, you are not yet registered. Please register to vote and vote on November. On November.